Voici le Chan Chango. Nous sommes entendus tous les discours. Comment obtenir les trésors du peuple et du Pays Basque? Un oiseau, un rapace, ce n'est autre qu'un chaya, un vautour qu'on connaît bien ici au Pays Basque. Il se positionne, il est prêt, et ça fait. Ceci. On dit que le cœur des humains, hommes comme femmes, est similaire au cœur du chêne, que le cœur de l'homme est rempli de bonté, d'amour, d'amitié, de générosité, de fraternité, de partage. Seulement voilà, le cœur de l'homme est fermé. Fermé. Et lorsque s'ouvre le cœur de l'humain, c'est si peu, si peu. Pourquoi? Pourquoi si peu d'amour? Cœur de l'homme, cœur du chien.
Écoute le tchakoun. As-tu un cœur? Non. Ou alors si tu as un cœur, chêne, il doit être dur, plus dur que la plus dure des pierres ici qu'on trouve au Pays Basque. Les laminacs font partie de la mythologie basque traditionnelle. Ce sont des petits êtres, il vaut mieux être sincère et authentique avec eux. Le tailleur de pierre commence à se poser des questions. Peux-tu m'aider à devenir un empereur milliardaire? Il souriait, le laminac, parce qu'il savait, le laminac, que ce n'est pas terminé le chemin initiatique. Mais comme t'es mon ami, mais comme t'es mon voisin, je vais satisfaire à ta demande. Est-ce qu'il fut dit, fut fait? L'ami, lamina, écoute l'ami, et dis ce qui fut dit, fut fait. L'ami, lamina, écoute l'ami, et dis ce qui fut dit, fut fait. Le tailleur de pierre devenu en briche, encore milliardaire, devint alors magnifique soleil, devint alors magnifique soleil. Mais le soleil réchauffe le cœur de tous les humains, des enfants. On l'aime, le soleil. On t'aime, 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 chauffe, chauffe, chauffe. Il aime être aimé, il a un ego comme ça. Ah, chauffe, chauffe, il est soleil, il voit pousser les fleurs, mûrir les fleurs. Il illumine et il est bon, bon, bon. Et Abidar aime le soleil. Ah, sur toute la planète. Alors il chauffe et puis. Il est tout simplement heureux, c'est ce qu'il voulait. Le bonheur, le bonheur. Sauf que, à un moment donné, il est soleil. Il était heureux le temps d'un instant. Quand tout à coup, il y a un obstacle. Ce n'est autre qu'un nuage. Va-t'en ! Va-t'en, nuage ! Il y a comme une ambiance étrange. Sinistre, lugubre, angoissante. Il se sent mal, 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 mal. Il n'y a plus de bonheur. Il n'est pas bien du tout. Il a mal à l'intérieur. Il sent comme une présence s'approcher, se rapprocher. C'est une ombre, l'ombre de quelqu'un qui est dans son dos et qui tout à coup. Qui me tape dans le doigt, Milamina, es-tu là, s'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi. Oui, je suis là. Dis-moi, qui me tape dans le dos?
J'ai mal, j'ai peur. C'est un homme. Je vais t'aider à te transformer. Pour la dernière fois. Parce que là, t'as tout compris. T'es mon ami. T'es mon voisin. Je vais satisfaire à ta demande. Et ce qui fut dit, tu fais. La, écoute la vie. Et dis ce qui fut dit, fut fait. La, écoute la vie. Et dis ce qui fut dit, fut fait. Le tailleur de pierre, devenu homme riche, enfant milliardaire, magnifique soleil, imposant nuage, robuste rocher. Redevint alors un tailleur de pierre. Redevint alors un tailleur de pierre. Et depuis ce temps-là, on entend chanter. Il était un tailleur de pierre qui avait un ami, la mina. Il était toujours heureux de ce que la vie lui donnait, de ce que la vie lui offrait, de ce que la vie lui donnait, de ce que la vie lui offrait.